L'idée, bah, c'est ça fait avec une corde. Et comme vous pouvez constater, j'ai pas de manche. Zoubette, est-ce que je peux demander de prendre un brin et de tirer sur la corde escalier solide? Oui, escalier solide, même plus loin. Oui, ça on sait jamais. C'est bon. Zoumette, tu préfères cette extrémité-là ou cette extrémité-là? Celle-ci. Celle-ci. Alors, regarde Zoumette, si je prends les deux extrémités et que je fais un nœud, mais regarde bien, un vrai nœud. Si je tire, tu sais ce qui se passe? Il disparaît. Non, pas forcément. Et ben, ça va faire un nœud à son centre, mais en plus ça fait un nœud à son centre, ça fait également une apparition de foulard à son centre. Mais oui, ça c'est bizarre. Alors, il est vraiment noué dedans, mais ce qui est fou, c'est qu'on pourrait aller plus loin. Je t'explique. Est-ce qu'encore une fois, tu veux tirer sur la corde? Je tire toujours sur la corde. Tiens, Zoom, est-ce que tu peux tirer sur l'autre bout? Oui. Super. Est-ce que Laurent, tu peux examiner le foulard? Il n'y a pas d'aimant dedans? Non. Non, super. Alors, on va faire pas un nœud, mais plutôt une boucle qui s'apparente plus ou moins à une chaise, mais qui n'est pas. Et c'est le seul, enfin, je veux dire, un des seuls nœuds, une des seules façons de faire des boucles, où si on ne passe pas par l'extrémité des cordes, c'est impossible à défaire. C'est ce fameux nœud-là. Vous êtes d'accord avec moi que là, plus je tire, plus ça serre. La seule façon de défaire ce nœud, bon, bien évidemment, là, ça se défait puisque j'ai rien, mais si j'ai un anneau dedans ou une barre qui est soudée à l'extrémité, la seule façon de sortir et de défaire de ça, c'est de repasser par les extrémités. D'accord? Et regardez bien que je ne triche pas, que c'est un véritable nœud authentique, d'accord? Et Jacques, est-ce que je peux te demander de venir, s'il te plaît? Je laisse comme ça pour montrer que je ne triche pas. Est-ce que je peux te demander de faire passer le foulard vraiment entre... Voilà, et maintenant je peux lâcher, ce qui fait que ça ne sortira... Ah, tiens, le foulard, voilà, ça ne sortira plus. Et je vais te demander maintenant de faire un nœud avec le foulard. Un vrai nœud. Ok. Et de le doubler. Ok. Il est impossible maintenant pour moi, à moins que de le défaire. Tu vas tenir une extrémité, et moi l'autre. D'accord? Et je peux te faire constater que le foulard coulisse, donc forcément dessus, mais que tes nœuds sont toujours là. C'est puisque je n'ai rien touché. À ton avis, est-il possible de sortir le foulard sans passer par les extrémités? Non. Alors, tu vas bien serrer. D'accord? Et regardez tout doucement, en faisant tourner comme ça le foulard sur la corde. Si j'attrape juste au milieu, comme ceci, que souffle, ça peut sortir. Mais ce qui est fou, c'est que si ça sort, on se dit oui, mais peut-être qu'il n'y a pas les nœuds. Mais je te laisse le soin de redéfaire tes deux véritables nœuds que tu as fait. Et tu peux constater que ce sont vraiment les tiens. Et qui n'ont pas bougé. Le premier et le deuxième. Comment c'est possible? Je vous explique.